L'assassinat de Pichegru. Buonaparte, qui redoutait la popularité de Pichegru et le langage ferme, énergique et hardi qu'il avait tenu à Réal lors de son interrogatoire, résolut sa perte, car ce dernier, ayant dit à Pichegru « Vous êtes certainement venu avec le projet de rétablir les Bourbons ?»« Et quand cela serait, répondit Pichegru, qu'est-ce qui est le plus honorable de placer la couronne sur la tête d'un prince légitime ?» ou sur celle d'un faquin à qui je n'aurais pas laissé battre le tambour dans mon armée. Pichegru était gardé par deux gendarmes, mais comme la police ne se souciait pas d'avoir des gendarmes dans la maison où le meurtre devait se commettre, on les éloigna, sous prétexte qu'il y avait beaucoup de mécontentement dans la gendarmerie et qu'on ne pouvait pas compter sur eux, ce qui, par parenthèse, était vrai. En conséquence, les Mamelouks et des Albanais furent chargés de faire le service au temple. L'exécution fut confiée au premier. Quatre hommes l'étranglèrent et ces quatre hommes furent ensuite fusillés pour quelques crimes supposés. Le fait est que le gouvernement avait peur que tôt ou tard ils ne parlassent. Mais ce qui convainquit le public que Pichegru avait été assassiné fut une étourderie inconcevable que le gouvernement commit. C'est un fait bien connu qu'on annonça publiquement que le corps de Pichegru serait transporté du lieu où il avait été assassiné dans la cour de justice criminelle pour y être examiné et pour y être fait lecture en même temps du procès-verbal des chirurgiens rendant compte des causes de la mort. En présence de tous les juges de cette cour qui eurent l'ordre de s'y rendre, mais lorsqu'ils arrivèrent, où on n'avait point encore apporté le corps de Pichegru, il n'était pas encore assassiné. Cruel et à la fois burlesque méprise de la scélératesse, l'exécution n'eut lieu que le lendemain du pour lequel les juges avaient été mandés. En conséquence de ce défaut de prévoyance, ils s'en retournèrent, très surpris. Le lendemain, ils furent de nouveau avertis pour le jour suivant, et dans l'intervalle, le malheureux Pichegru fut étranglé.